نحكيو على قصة نجاح زوز صاحبات شركة نشأة. هما زوز من الشبان باعثي المشاريع في تونس. أولهم وفاء، باحثة وناقدة في الفنون والثقافة. غرامة وحبها للفن خلاها تقوم بإنشاء أرشيفار، وهي منصة رقمية للإنتاجة الفنية الإفريقية. كيفاش جات ليدي نتاع أرشيفار؟ Au cours de ma thèse, j'ai eu la chance d'accompagner des artistes. وفهمت aussi que toutes les informations sur les arts ou sur les artistes ناقصه باش pour être ramassées dans la même plateforme. C'est une plateforme qui connecte les artistes aux différents amateurs, collectionneurs ou amoureux de l'art. Elle leur permet de la visibilité, mais aussi elle archive les données à les productions artistiques, voilà les écrits, voilà les vidéos sur le contenu qui est sur les arts plastiques في تونس ولا في العالم العربي. وعليا مهندسة في البيولوجيا الصناعية وأم زوز صغار. هذا اللي خلاها تبعث مشروع مولين المختص في المنتوجات الطبيعية لنظافة الأطفال. Tout a commencé lorsque j'ai eu ma première fille. Je cherchais des produits pour son hygiène corporelle. Malheureusement, tout ce que je trouvais sur le marché, c'était des produits conventionnels bourrés de produits chimiques. Et là, je me suis dit, s'il n'y a pas une marque d'hygiène corporelle pour bébé qui soit d'origine naturelle, avec des produits réellement efficaces et à des prix abordables, eh bien, je vais la créer. En 2018, j'ai concrétisé mon idée et j'ai créé ma start-up. Molin est une marque éco-responsable de produits naturels d'hygiène corporelle pour bébé et maman. C'est une marque qui allie naturalité, fonctionnalité et qualité. Donc forcément, dites là où j'ai des incubateurs, le Kit Afkar, donc j'ai postulé. La candidature a été par 4 phases. Et là, on est passé du one-to-one, du bootcamp jusqu'à la sélection finale. On a eu pas mal de retours positifs à le projet interne. Grâce à l'accompagnement de Afkar, nous avons eu l'opportunité et la chance d'avoir notre site internet archivar.co. Avec Afkar, j'ai été embarquée dans l'écosystème entrepreneurial et le monde des startups. En plus de l'accompagnement, j'ai bénéficié d'un pack de services qui m'a permis d'agrandir mon équipe et d'augmenter ma capacité de production. عليا ووفاء ما كانوش وحدهم في المغامرة هذه، باش يقدموا في المشاريع متاعهم استغلوا حاضنة المشاريع أفكار المدعومة من برنامج أونليان الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية واللي يشرف على تنفيذ صندوق الودائع والأمانات بتونس بدعم فني من إكسبرتيز فرانس. Afkar est un programme d'incubation qui offre de l'accompagnement et du financement early stage pour les entrepreneurs de tout secteur d'activité. Ils ont une équipe pluridisciplinaire, des outils, des ressources et un financement qui leur permet de lancer effectivement leur projet. Grâce à notre partenariat avec le projet en lien, nous avons reçu plus de 1700 candidatures, accompagné 142 projets et financé 32 projets grâce à des packs de services. Le projet en lien s'intègre dans le cadre de l'initiative JET, Jeunesse, entrepreneuriat et numérique en Tunisie, lancé par le président Emmanuel Macron en janvier 2018. L'objectif est de favoriser le développement économique, y compris en région, de contribuer à l'autonomisation des femmes et d'insuffler une culture entrepreneuriale et des démarches innovantes. Le programme en lien soutient 5 initiatives privées, Réseau Entreprendre, Initiative Tunisie, Soukel Kaina, lancé par ENDA, l'incubateur Afkar, ainsi que le programme StartAct. Il appuie aussi l'API pour renforcer les pépinières publiques. En lien vise à dynamiser l'écosystème entrepreneurial tunisien et à créer ou maintenir 1500 emplois dans 24 gouvernorats sur 3 années. الدعم هذا ساهم في خلق إطار يشجع على بعث الشركات الناشئة في تونس في عدة قطاعات ومكن من تحقيق نجاحات باعثة للأمل. Finalement, Tawa Archivar, elle a eu sa place dans l'écosystème des arts plastiques et visuels في تونس. وين نتمنى كان d'autres entrepreneurs aussi qui rêvent d'avoir un projet artistique et culturel et prendre en place dans aussi l'espace de la culture في تونس. N'hésitez pas en tant qu'artiste à venir vers nous à la خاطر on fait de l'accompagnement où j'espère qu'on réalise beaucoup de rêves de jeunes artistes en Tunisie. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un système de management qualité qui va nous permettre d'obtenir la certification ISO 9001 et par la suite, nous allons obtenir la certification EcoCert, puis nous allons travailler sur le marché international.